Vous avez perdu quelque chose. Vous croyez? Pourquoi? Peut-être est-ce que je me suis égaré? Ce n'est pas quelque chose, mais quelqu'un. Quelqu'un, oui, une personne, un être, une part de moi-même. Ce n'était pas une chose. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Marcher dans la montagne, mon regard accompagné de notre regard, nous regardions vers la plaine, un rivage, un océan. Et il fallait bien redescendre de ces sommets de la neige, non, il n'y en avait pas. Du sang sur la rocaille, près de la source, une biche sans doute, et la poser sur la roche, la plus grosse et la plus plate, un amas de chair, comme un cœur. Vous l'avez pesé, oui, avec le fléau de la balance, 345 grammes. Et puis il y avait un amas comme un champignon, un parasite, une algue, qui emprisonnerait une vie claire et douce. Il n'était plus rouge, mais il fait clair, mais il était étrange. Oui, étranger. Je me suis lavé les mains à la source, j'ai entendu un cri. Comme le cri d'un rapace, et j'ai entendu comme un nom en écho. Quel était ce nom, adénocarcinome? Ce n'était pas le cri d'une bête, vous croyez, je n'ai pas la foi. Ce n'était pas du foie, mais un cœur posé sur la roche. Le rapace est passé dans son cri, une musique a pris la place. Une musique, un chant, une voix qui a franchi le petit pont. Marcher à peine, alors j'ai dansé et j'ai écouté la chanson de la bohème. Son regard, je l'ai cherché, j'ai couru, trébuché, marché sans marcher, en marchant. T'as fait du mal, rien n'arrête, et ton regard. De ne pas voir celle et ceux qui l'aiment. Alors qu'as-tu fait? J'ai chanté, j'ai écrit, j'ai joué. C'était un dimanche prétentieux.